Quelqu'un veut fumer ? Non, personne ne veut fumer. Range ça, on va se faire griller. Tu veux fumer ? Non, j'ai envie de me casser, moi. Cette zone industrielle, ça me fout les glandes. Bah, c'est vrai que c'est long, là. Putain. Il y a un pilote, là, Aquaplouf, là. Et sérieusement, il y a des mecs qui vendent des piscines dans leur Pas-de-Calais ? Oh, putain, l'horreur. Ouais, franchement, ça a l'air fixe, 3000 balles, moi, je le fais. Hein. Non. Ici, des piscines ? Ouais. Attends, en deux jours, tu fais faillite. Hein. Non, tu te tires une balle. Ouais, enfin, supposons que ça marche. Pour combien tu travailles là ? 5000 balles par mois pendant 10 ans. Après, je me tire. Non. Non, t'as pas le droit de te casser, c'est à vie, c'est la règle. Ah, y a une règle ? Ouais. Non, mais dis-le, attends, si on joue, on joue, hein. Ouais, bah, ok. Et toi, pour combien ? Moi, je joue pas, je m'en branle. Hein. Bon, il a pas fini l'autre, là ? Non, il a pas fini, là. Bon, alors, 10 000 balles par mois, tu travailles là, et ta femme, c'est Scarlett Johansson. Ouh. Ben là, ouais. Ah, là, tu joues. Attends, on va corser un peu le truc. Et t'as pas envie de la toucher ? Et ben là, je joue plus. Ouais, t'aimes pas le challenge, quoi. Putain, qu'est-ce qu'on est mal dans cette bagnole là. Attends, pour combien tu passes un an dans cette bagnole là? Et après tu peux baiser toutes les meufs que tu veux. Ah, ah ouais, je suis marié moi. Non mais on s'en fout, c'est pour le jeu. Je t'ai déjà dit que ton jeu, j'en avais rien à foutre, d'accord? Et puis vos questions, c'est les questions à la con. Ouais, t'es pas marrant quoi. Si, si, je suis très marrant. Mais moi les jeux, j'aime bien quand c'est concret, quand ça se passe vraiment. Tiens par exemple, pour combien tu te fous à poil toi? Oh, 10 balles, non, alors putain, t'as pas d'honneur quoi. Non, rhabille-toi quand même. Ouais, c'est gênant, ouais. Bah moi je veux des questions un peu plus larges, tu vois, là où je sais que je vais pas perdre d'argent. Genre, pour combien tu deviens juif ? Quoi, t'as un problème avec les juifs ? Bah non, c'est une question, c'est tout. C'est vrai que c'est pas très large comme question. Bah attendez les gars, faut arrêter la psychose là, j'aurais pu dire pour combien tu deviens noir hein. Oh putain, zéro. Ah voilà. Ah là par contre, pour les noirs, on répond tout de suite du tac au tac. Hein. Enfin, j'aurais répondu comme toi. Hein. Ouais, ça m'étonne pas de vous, tiens ça. Ça veut dire quoi, ça m'étonne pas de vous, là? Moi, parce que c'est cliché, vous êtes raciste. Alors ça me fait marrer, tu vois. Tiens, pour combien tu deviens chinois? Voilà, bah les chinois, c'est pareil, on y va, on a le droit de n'importe quoi. Hein. Bon, allez, moi, j'allais pas le cul, là, je vais voir ce qu'il fait. Bah, attends, putain, reste dans la voiture, c'est bon, il va arriver, détends-toi. Là. Si tu veux, on peut jouer plus léger. Hein. Pour combien t'invites ta femme chez Flinch à Saint-Valentin? Tu te fous de ma gueule? 6,95€, tu sais très bien qu'Isabelle, elle a kiffé. Attends, t'amènes ta femme chez Flinch, toi? Bah ouais. Attends, si t'arrives déguisé, t'as un dessert gratos, donc... Pour combien tu te déguises en nain jusqu'à la fin de ta vie? Ouh, en nain en nain et roux. Oui, non, mais ça, c'est classe. C'est le mec du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est vrai. Non, le truc, c'est... Si en plus, t'es cul-de-jatte, noir juif, et tu vends des piscines. Ouh. Putain, dans quoi je suis tombé, là? Mais attends, je peux pas être commercial si je suis cul-de-jatte. Hein. Comment je me déplace? T'as un traîneau. Et c'est 10 Scarlett Johansson qui te tire déguisé en Mère Noël. Ah ouais, non, moi je le fais direct alors. 500€ prix de stagiaire, je m'en branle, je signe. Ouais. Bon, c'est fini là, hey, moi j'en ai marre d'écouter vos conneries là, je vais voir ce qui branle l'autre. Bon, c'est quoi, c'est Scarlett Johansson qui t'énerve? Ah, peut-être pas, hein. C'est peut-être pas ça, au contraire. Hein. Pour combien tu couches avec un mec? Je couche pas avec les mecs, quoi. Ouais, ça va, c'est pour le jeu, on est pas pédé, c'est bon. Je t'ai déjà dit que je jouais pas et je couche pas avec les mecs. 50 000 balles. Hein? 50 000? Ah ouais. 100 000 et je fais pas la femme. Ouais, c'est bon, pour 100 000 balles, tu fais la femme. Non! Bah si. Non! Mais alors, tu préfères faire ça avec quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas? Je t'ai déjà dit que ça n'arrivera pas. Putain, mais si, mais c'est vachement important, tu vois. Moi, je préfère faire ça avec quelqu'un que je connais. Tu vois, je serais plus en confiance. Ah non. Moi, avec quelqu'un que je connais pas. Parce que comme ça, le mec, il fait son truc. Avec les 100 000 balles, je paye quelqu'un pour qu'il aille le buter. Comme ça, personne n'est au courant. Et puis, comme ça, t'as plus de thunes et tu te seras fait baiser deux fois, quoi. Ouais, c'est pas fou, hein. Pour ça, avec quelqu'un que tu connais, y a pas de danger. Ah non, attends, imagine avec quelqu'un que tu connais, mec qui prend du plaisir, commence à te dire des mots doux, à te faire des petites caresses. Ça veut dire que toutes les fois où vous étiez tous les deux, toutes les fois où vous avez pris des douches ensemble, le mec il pensait à ça. Ah. Vous prenez des douches avec des potes? Oui, mais ça va, on a compris, monsieur, j'ai pas envie de jouer. Mais si. Si, j'ai envie de jouer. Pour combien tu suces ton pote, toi? Alors là, ouais, c'est très bon, long, là, ça devient long. Bon, ouais, c'est bon, les gars, hein. J'ai tout checké, j'ai eu le central, on a retourné toute la bagnole et on n'a rien trouvé. Là, c'est pas la bonne voiture. Allez, sors-le. Ouais. Allez, viens là. Viens là, ouais. Je vous avais dit que c'était pas moi. Oui, bah, c'est la procédure. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Allez, bah, bonne journée. Ah, je suis par là-bas, moi. Oui, bah, bonne journée par là-bas. Alors. Bonne journée par là-bas, ouais. Une bande de guignols. Ouais. Bon, vous parliez de quoi? Pas des conneries. Ouais. On se disait, pour combien tu suces ton pote? Oh, je sais pas, pour 50 balles. Code 1-2-9 à toutes les unités. On a retrouvé la voiture volée devant le centre commercial. Terminé.
Bah quoi, c'est bon, ça va vite, hein, c'est 3 PV et puis il s'est torché, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. On va bouffer ? Ouais. Ah ouais.